Du Mali, dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Les abattoirs au Mali affichent un visage peu réjouissant. C'est ce qui ressort du rapport 2024 de l'inspection de l'élevage, un document de plus de 500 pages qui souligne les chaînes de production défectueuses, l'insuffisance d'eau qui entraîne une grande insalubrité, les moyens de transport de la viande défectueuse. La liste est loin d'être exhaustive. Face à ce constat, le département de l'élevage et de la pêche a décidé de prendre les choses en main en tenant compte de la spécificité de chaque abattoir. Yubaba, ministre de l'élevage et de la pêche. Concernant l'abattoir de frigorifique de Sabalibougou, poursuivre la mise en œuvre de son plan de modernisation, veillez à utiliser les camions frigorifiques pour le transport de la viande dans les meilleures conditions. Concernant l'abattoir frigorifique de Bamako, tenir le conseil d'administration de l'abattoir
avant le 31 décembre 2024. Réhabiliter totalement l'abattoir dans un délai de 6 mois. Mettre en œuvre le plan d'assainissement de l'abattoir dans les deux mois qui suivent, juin-juillet 2024. Concernant les abattoirs régionaux de Sikasso, Segou, Koutiala, Kaï et Mopti, réhabiliter et équiper ces abattoirs en logistique de transport de la viande, régulariser la situation financière, TVA, impôts et taxes par les concessionnaires. En plus de ces mesures, le ministre a annoncé la fin du contrat de concession des abattoirs de Kaï, Segou et Mopti. Ces mesures d'amélioration de la qualité de la viande sont salués par les acteurs du sous-secteur de l'élevage. Mamoudou Abdoulaye Diallo, président de l'interprofession filière bétail viande du Mali. Nous sommes encore aujourd'hui à la phase de labellisation de la filière bétail viande du Mali. Donc c'est une viande qui doit aller à l'extérieur. Donc le ministre a fait raison de prendre des mesures appropriées pour garantir la sécurité, la santé des populations et aussi pour qu'au niveau des abattoirs, nous ayons des conditions d'abattage respectant les normes internationales. Ces mesures visent à accélérer le processus de labellisation de la viande malienne. Une réunion mensuelle est instaurée pour le suivi de ces mesures. Autre titre de l'actualité de ce mardi 5 juin 2024, soutenir les populations vulnérables en cédant le sac de riz de 50 de 18 francs CFA au lieu de 27 francs CFA. Voilà l'an de l'opération de vente subventionnée aux consommateurs de riz du stock d'intervention d'urgence d'État qui viennent de démarrer dans les buissons de Moko à Kaï ainsi qu'à Gao. Hier, le ministre commissaire à la sécurité alimentaire a visité le centre de Banagambougou. Cette vente directe aux consommateurs est une première bien appréciée déjà par la population. Le point avec Abdoulkarim Kaba. Sans querir de demandement d'opération de vente directe de riz aux consommateurs, tel est l'objectif de la visite du commissaire à la sécurité alimentaire Erdogan Mohamed Ali. Pour cette première étape, ce sont 2 830 tonnes qui seront vendues au prix subventionné de 18 francs CFA pour les 50 kilos. Erdogan Agmar Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. C'est une opération test, c'est une première depuis très longtemps que le PAM n'est pas en contact direct avec les consommateurs. C'est une réussite, personne n'a mis en cause l'utilité de l'opération. L'air grand, c'est que les difficultés d'organisation qu'on a vues un petit peu ne viennent pas compromettre la pérennisation de cette opération. Dans la cour de l'OPAM, la mobilisation et l'engouement sont au rendez-vous. Le commissaire à la sécurité alimentaire a partagé avec la population le bien fondé de cette vente directe aux consommateurs. Toute personne avec une carte d'identité peut avoir les riz 100 kilos chaque mois à transmettre sans CFA. Si c'est Atidiko, cliente. Nous remercions les autorités de la région pour cette opération. Vraiment, ça nous arrange. L'opération de vente de riz au prix subventionné aux consommateurs dans les districts de Bamako, à Kaï et à Gao est en cours. Erdogan Agmar Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Pendant le mois de Ramadan, le président de la transition a instruit la mise en place d'une opération de soutien aux populations maliennes dans ce mois difficile. Dans le cadre de cette opération, nous avons initié la vente subventionnée de 2 800 tonnes. C'est une opération que nous souhaitons perpétuer pour compléter une autre opération qui est en cours, pour suivre toujours un test à commencer, ce qu'on appelle la facilité alimentaire, qui consiste à subventionner un certain nombre de lieux alimentaires, un panier de 50% pour 600 ménages par commune. Avec la mobilisation de la population, les consommateurs ont demandé à ce que l'opération soit décentralisée dans les communes. Le commissaire à la sécurité alimentaire, Erdogan Agmar Mohamed Ali, dit avoir pris bonne note. L'opération se poursuivra tout au long de la période de soudure. Tout au présent, la jeunesse mène à l'école de la citoyenneté ici à Bamako. Ils sont descendus venus de toutes les régions du Mali pour une formation à l'éducation citoyenne. Inactivité initiée par le gouvernement, elle vise à inculquer et développer chez les jeunes l'esprit patriotique pour qu'ils deviennent des bâtisseurs et défenseurs de la nation. Pour cela, il y a un panel sur le fondement de l'identité nationale a été animé hier par le ministre de la Réfondation de l'État chargé de la Réfondation des institutions au palais de l'Union à Manyambou, contre un train du Benogo Fofana. La jeunesse, faire de l'ensemble de toute nation, mérite une attention particulière des gouvernants pour être de bons futurs dirigeants. En initiant cette école de citoyenneté, le gouvernement malien répond à un besoin social qui se fait ressentir au sein de cette couche.
Il s'agit d'inculquer à la jeunesse malienne l'esprit patriotique. C'est dans cette optique qu'un panel sur le fondement de l'identité nationale est animé par le ministre de la Fondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Kassa Maïga. Quels sont les tenants aboutissants de la crise multidimensionnelle qui nous a frappés? Quelles sont les solutions que le peuple malien a mûri et proposé? Et quelles sont justement les voies que le gouvernement et les autorités de la transition empruntent pour justement leur mise en œuvre efficiente? Et ces jeunes maliennes doivent être au fait de ce processus, doivent comprendre leur place et leur rôle qu'ils sont appelés à jouer dans cela. Si le Mali a besoin de sa jeunesse que jamais en cette période de fondation, les 200 jeunes venus de différentes régions du pays pour cette première porte de l'école de citoyenneté se disent prêts à relever le défi du Mali courroie. Péri Wolegem, participant de la région de Badiagara. Ce panel, je peux dire, ça a été plus que bénéfique. Nous le promettons d'être des jeunes patriotes et nous serons prêts à relever le défi. Abdoul Kassim Ibrahim Bamba, ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Aujourd'hui, nous sommes dans les questions de valeurs, de traditions. Il y a tout un cadre qui a été mis en place, il y a des comptes qui sont faits, il y a des feux de camp qui sont organisés. Mais tout cela n'est pas fait de façon délibérée. C'est important. Ils sont obligés d'avoir ce passage-là. C'est comme les rites. Ils sont obligés de passer par là. Mais nous attendons d'autres choses. Nous attendons à la sortie d'ici. D'être des acteurs qui peuvent vraiment aider le pays à rester dans sa lancée. Cette lancée tracée par les autorités. Nous le répétons toujours. Le Mali ne s'agit pas de Maliens qui vont venir d'ailleurs. Il s'agit de Maliens qui sont là et qui doivent prendre conscience, doivent eux-mêmes changer pour le bien de leur communauté, leur famille et le pays. Lancée depuis le 25 mai, les actes de cette école de citoyenneté se suivront jusqu'au 7 juin. Et chaque jour, un panel est animé sur les notions de civisme et de citoyenneté. Aujourd'hui, 5 juin 2024, c'est la journée mondiale de l'environnement. Le thème de cette année est la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. À cette occasion, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a fait une adresse à la population. À Guibou Libali pour les détails. La journée mondiale de l'environnement est une occasion cruciale pour réfléchir sur notre relation avec la nature et prendre des mesures concrètes pour préserver notre planète. Surtout ici, au Mali, nous perdons plusieurs hectares de forêt chaque année. Mamadou Samake, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Au Mali, la dégradation des terres menace la capacité de résilience des populations générales. Et des écosystèmes en particulier. Elle impacte négativement les sources de revenus des populations et compromet les développements socio-économiques. Chaque année, nous perdons au moins 100 000 hectares de forêt pour les besoins agricoles et des bois d'énergie, tandis que les superficies déboisées ne dépassent guère les 2 000 hectares. Face à ces défis, le gouvernement s'engage fermement à promouvoir des initiatives de reboisement, de gestion durable des terres et de conservation des ressources en eau. Pour inverser la courbe, plusieurs actions ont été initiées, dont la mise en évidence des solutions innovantes pour la restauration des terres, la lutte contre la désertification et le renforcement de la résilience des populations à travers différentes initiatives. Projet, notamment l'adhésion du Mali à l'ensemble des conventions internationales sur le climat et la protection de l'environnement, le lancement du projet sécurité climatique et gestion durable des ressources naturelles dans les régions du centre du Mali pour la consolidation de la paix d'un montant d'environ 5 milliards de francs CFA. Le lancement imminent du portefeuille thématique climat Sahel. Volet Mali et du projet sécurité climatique dans la région du Kouro, d'un montant de 11 milliards de francs CFA. Le ministre Samake conclut que la restauration de nos terres et l'amélioration de notre résilience face à la sécheresse sont essentielles pour assurer un avenir prospère et durable à notre nation. Chaque action compte et ensemble nous pouvons faire une différence significative.
un mot de l'actualité à l'étranger, élections au Sénégal, où 454 personnes, des magistrats, des avocats, mais aussi des membres de la société civile et des professeurs de l'université sont réunis mariniers pour dénoncer que le secteur de la justice hier, ils ont fait état de leur position de réforme. On retient parmi les mesures de réforme les plus urgentes, celles qui consisteraient à réaliser les pouvoirs procureurs au Sénégal, la large prérogative au moment pour envoyer quelqu'un en prison. On note également l'instauration d'un juge de liberté pour éviter le recours quasi systématique à la détention administrative. Une autre proposition concerne la création d'une cour constitutionnelle pour remplacer la cour constitutionnelle. Cela permettrait que les membres de la haute juridiction ne soient plus exclusivement nommés par le président de la République. Nigeria, la grève générale suspendue le temps de négociation sur le salaire minimum. Lundi, la mobilisation a mis tout le secteur formel de nombreuses activités à l'Algérie. La suspension de la grève générale a été annoncée hier après une réunion des principales confédérations à Abuja. Le gouvernement s'engage à rencontrer les syndicats tous les jours cette semaine. Il s'agit d'une pause d'une semaine pour permettre aux négociations de parvenir à un accord. C'est ce qu'on a annoncé à l'issue de la réunion du Nigeria Labour Congress. Et le trade union congrès, les deux principales confédérations syndicales du Nigeria. Un mot climat, c'est un mot de l'environnement pour que l'élimination du CO2 doit quadrupler d'ici à 2050. Selon un rapport, réduire les rejets de CO2 ne suffira pas pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, voire 2 degrés Celsius. Il faudra en éliminer 4 fois plus qu'aujourd'hui d'ici à 2050. Grâce aux remèdes et grâce à des technologies de pointe encore balbutiantes, c'est ce qu'indique un rapport de référence publié hier sur la question selon les scénarios de réchauffement de la planète. Les spécialistes estiment qu'il faudra éliminer, c'est-à-dire capter dans l'atmosphère et stocker durablement entre 7 et 9 milliards de tonnes de CO2 par an d'ici 2050. Pendant ce temps, la planète continue de subir les effets dévastateurs du réchauffement climatique à travers les catastrophes naturelles. Le bilan de la moisson est encore lourd sur le Lanka. Les fortes pluies faisant moins 26 morts et les dizaines de milliers de déplacés. C'est ce qu'a indiqué hier le gouvernement qui a déployé l'armée pour aider au secours. Quelques 130 personnes menacées par l'eau ont été contraintes d'abandonner leurs maisons dans 23 des 25 villes du pays et les autorités dénombrent aussi 42 blessés. Écoles, Microsoft accusées de violer la vie privée des élèves dans une ONG. Les outils informatiques sont de plus en plus utilisés en classe, mais comment protéger les élèves? Deux plaintes ont été déposées hier à l'Autriche contre Microsoft, accusées de ne pas respecter ses obligations en matière. Les géants américains de l'informatique sont très présents dans les établissements avec ses logiciels dédiés à l'éducation. Or, les écoles n'ont aucun contrôle sur le système, dénoncent dans un communiqué l'association géonoise militante pour la protection de la vie privée. La page est dans un instant. Sur le continent, l'instance suprême du football africain a dévoilé un certain nombre de mentions importantes sur les compétitions entre 2024-2025. Au plan national, les aigles affirment leurs armes depuis quelques jours dans l'Algérie en vue de l'élection des Black Stars du Ghana, ce jeudi au samedi 26 mars. La dite rencontre entre dans le cadre de la troisième journée de qualification zone Afrique mondiale 2026. Le groupe est en complet depuis hier, mardi, avec la venue de deux joueurs qui étaient encore en retard. Le résumé de l'actualité des sports avec Ali Dumatina. C'est ce jeudi que les aigles du Mali recevront les Black Stars du Ghana au compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Démarré le 30 mai, le regroupement des aigles s'est poursuivi à hauteur de souhait. Les deux joueurs étaient encore absents, à savoir l'attaquant El Bilal Touré et le gardien Diarra, ont regagné hier mardi le QG de la sélection nationale. Le groupe aigle est désormais au complet de 29 joueurs et l'atmosphère est rassurante et conviviale, d'où la joie du nouveau défenseur des aigles, le latéral. On se remet au boulot et on est prêt à accueillir le Ghana et on va tout faire gagner.
attaquant veut toujours marquer. À chaque fois que je joue au Mali, j'ai un cœur de rendre fier tout le monde. On sait que le Ghana, ça a toujours été une grosse nation, une très grosse nation de football. Et on sait que si on ne met pas tous les ingrédients, ça va être compliqué. Le coup d'envoi du match Mali-Ghana est prévu à 19h. C'est jeudi au stade du 26 mars. Une rencontre qui sera jugée par des arbitres égyptiens. La Confédération africaine de football vient de publier un certain nombre d'informations importantes concernant les compétitions continentales et interclubs pour la saison 2024-2025. La nouvelle saison interclub de la CAF commencera par le préliminaire Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération du 16 au 18 août 2024. La phase du groupe aura lieu entre octobre et décembre 2024. La phase éliminatoire directe et les finales des deux compétitions joueront entre mars et mai 2025. Et ce sont les 12 associations membres les mieux placées selon les listes CAF qui auront le privilège d'inscrire deux clubs dans chaque compétition. Il s'agit donc de l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Libye, le Maroc, l'Angola, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Nigeria, la RDC Congo, le Soudan, la Tunisie et la Tanzanie. Les autres devront se contenter d'un représentant. La CAF a également précisé les 4 périodes d'enregistrement pour les joueurs. Prévu du 1er juillet au 20 juillet pour le premier tour préliminaire. Du 21 juillet au 31 août pour le deuxième tour préliminaire. Du 1er au 31 septembre pour la phase de groupe. Par ailleurs, l'annulation du deuxième préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération a été confirmée. Quant aux équipes éliminées au deuxième tour de la Ligue des Champions, elles ne seront plus basculées en Coupe de la Confédération. Pour finir, vainqueur du tournoi Union des Fédérations Ouest-Africaines de football UFOAB, les étalons U17 sont rentrés au pays. Occasion pour eux d'aller présenter leur trophée au capitaine Ibrahima Traoré, le chef de l'État du Burkina Faso. A ainsi félicité la sélection cadette pour avoir porté haut le flambeau du Faso à l'occasion de ce tournoi ouest-africain. Grâce à cette victoire, les étalons cadets sont automatiquement qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Chronique de l'environnement. Aujourd'hui, nous mettons la lumière sur un problème puissant qui nécessite l'attention de tous, la pollution plastique dans les villes de Bamako, la calme malienne contre le changement du monde, est confrontée à une menace grandissante qui affecte la qualité de vie des habitants et la santé de son écosystème. La pollution plastique, qui suscite la consommation et la gestion de la lutte des déchets, compromet nos rivières, nos sols et notre air. Bamako a la dirigée des chemins, lutte contre la pollution plastique, c'est le sujet de la clinique de l'environnement, par la diffusion et la réalisation de l'agribouli. Dans la quête inlassable de protection de notre environnement, des héros discrets émergent, prêts à affronter les défis futurs de notre époque. La Fondation Sans Santé Environnement et la mairie de la commune 4 en font partie. Les deux entités sont déterminées à se battre, vaillamment pour la gestion de la pollution plastique dans le district de Bamako. Fatoumata Nafo, présidente de la Fondation Sans Santé Environnement. Notre mandat est vraiment de rapprocher les différentes personnes, particulièrement les secteurs de la La pollution plastique initiée par la Fondation Santé Environnement au Mali a pour objectif principal de réduire de manière significative l'impact néfaste de la pollution plastique sur l'environnement, la santé humaine et la biodiversité locale. Maïga Fatoumata-Sopona, spécialiste en environnement. Ce projet de lutte contre la pollution plastique est basé sur quatre composantes. Nous avons une composante de sensibilisation. Il y a quatre campagnes de sensibilisation qui sont prévues dans ce projet. Il y a aussi la création d'une base de Il y a des femmes qui viennent nous chercher parfois, et ça se met au final. Puis,
La Fondation Santé Environnement, à travers son devoir et son action, trace la voie vers un avenir où la pollution plastique ne sera qu'un lointain souvenir. Son rôle éminent dans la protection de l'écosystème malien inspire l'espoir, forger un avenir vert plus durable. Voilà, voilà, à cette heure de 24 minutes à Ouga, c'est la seule expédition, la coordination éditoriale à la SUS Sport Daou, à la mise en œuvre de Ismaïl Diarra. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous les uns les 13h. Vous retrouvez tellement mon émission. D'ici là, je vous suis sur leur radio à Ouga, à Ouga, à les avis et communiqués avec vous, retrouvez cette édition sur www.wartier.ml. Et sur l'ensemble de la plateforme digitale, la mise en ligne, la présentation est suivie par Sylvie Diabati. Excellent sur le programme sur l'ORTM.